Comprenons, mais il travaille pour la Banque islamique de développement. Il a un agrément de 2 ans, renouvelable une fois. C'est la loi guinéenne. Et actuellement, le gouverneur de la Banque centrale, la dernière fois, s'est exprimé là-dessus. Ce monsieur, son agrément ne doit pas être renouvelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est actuellement au Sénégal, où il serait en train quand même de négocier, même au haut lieu, pour corrompre les autorités guinéennes afin qu'il reste en Guinée. Mais le mal à cela, Akumba, laissez-moi parler. Oui, mais si tu dis qu'il veut corrompre, Akumba, 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 j'assume ce que je dis, j'ai mes sources. Akumba, okay. On est à l'antenne. Allez-y. Si tu dis qu'il tente, il est en train de corrompre, tu nous crées des problèmes. Akumba, tu peux le prouver. Akumba, j'assume ce que je dis. On laisse terminer parce qu'il a les preuves de ce qu'il a fait. Son agrément est fini. Allez-y. Il a plus de 8 mois en Guinée. Oui. Donc, les autorités cherchent à le renvoyer, mais il passe par des relations pour être maintenu. De Dakar jusqu'au niveau de la Bide, il est en train de grouiller pour être maintenu. Mais le mal à tout cela, c'est que depuis que ce monsieur, 2018 à nos jours, il a licencié non seulement beaucoup de caissiers, beaucoup d'agents responsables d'agences, des responsables de services, des directeurs, et il a actuellement dans sa ligne de mire des syndicalistes. Vous savez pourquoi? Pour des raisons, parfois même la justice guinéenne est incapable d'appliquer sa décision contre le monsieur parce qu'il est dans beaucoup de procès où il a perdu. Bien. Mais très malheureusement, on ne l'applique pas. Je vais vous rappeler ceci. Et ces licenciements, les gens licenciés pensent qu'ils l'ont été illégalement. Mais bien sûr, le tribunal a rendu des décisions où le monsieur a été condamné, mais on n'applique pas. Je commence par des caissiers. En 30 secondes. Une question. Monsieur qui a été condamné ou c'est la banque? En 30 secondes. C'est le monsieur qui a été condamné. Lincoln, vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, je rappelle que ce n'est pas un sujet. Non, ce n'est pas un sujet. Nous sommes à tour du chauffe. Oui, c'est un chauffe, mais très malheureusement, j'ai été empêché de parler pendant longtemps. Oui. C'est clair. Alors, Uri, le dossier a commencé par des caissiers. Il y a eu un compte dormant à la banque qui a eu des décaissements. La caméra de surveillance, quand même, a été utilisée. Des personnes ont été vues qui ont retiré de l'argent. Le monsieur, au lieu de sanctionner la personne, a licencié tous les caissiers et responsables d'agence qui le poursuivent actuellement au pénal. Deuxièmement, il y a un responsable du contrôle interne dont l'enfant est tombé malade. Le monsieur est allé à l'ambassade de France pour chercher 3 visas. Il a eu le visa, ses enfants, sa femme est partie, lui n'est pas allé. Il a signifié qu'il n'est pas parti. À cause de la prise de visa et de ne pas voyager, il a été licencié. Il s'appelle monsieur Ela Diallo. Il y a un autre monsieur, Amadou Ba, qui s'est opposé au licenciement, le DRH, qui a dit non, on ne peut pas licencier monsieur Amadou Ela Diallo. Pour ces faits, le monsieur également a eu sa femme malade. Il a pris 70 millions comme avance de salaire. Mais son mode opératoire, c'est quoi? Quand il est en litige avec vous, il trouve un argument pour vous licencier. Le monsieur prend les 70 millions. Bien. Et pour le licencier de DRH, il demande au monsieur de justifier son avance sur salaire. Et ce monsieur l'a poursuivi. Il a perdu au tribunal de travail. Il a perdu à la première instance. À la cour d'appel, les dossiers se perdent. Mais j'apprends que M. Sidi Ndiaye est protégé. Ça, je le dis, c'est ce que j'ai appris. Bien. Par des responsables guinéens. On va en faire un sujet. Centrale, monsieur même, comment il s'appelle Alpha Seni, du tribunal de première instance de Kaloum, qui est actuellement à la Cour suprême, est également accusé. Et beaucoup d'autres Guinéens, tels que le ministre Mori, comment on appelle, Mori Doumbouya, l'ancien ministre de la justice. Mais pour terminer, Ouri, accepté, pour terminer. Le syndicat, récemment, s'est opposé au licenciement de 35 travailleurs par rapport à l'application de la convention collective. Alors, pour l'application de la convention collective des banques, le monsieur demande à ce qu'on licencie 35 travailleurs. Le syndicat s'est opposé. Et la subvention accordée au syndicat, il veut utiliser le même mode opératoire qu'il a appliqué à M. Amadou. Et actuellement, il demande au syndicat de justifier la dépense pratiquement de la subvention. Et ce syndicaliste serait aussi en voie d'être déplacé ou être licencié. Trop, c'est trop. Comment la justice guinéenne peut ne pas quand même appliquer une décision contre quelqu'un, Lincoln, en tout cas un homme plus fort que la justice? Merci. C'est très révoltant. Bien. Monsieur Ouri, c'est un sujet digne d'une enquête. Je pense qu'il va falloir en faire. Non, j'aimerais parler des Sénégalais, mais malheureusement, on est très pris par le temps. Merci. On va y aller rapidement pour cette petite virgule.